On est mal aimé, maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. J'fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon Mali, ça grille les feux rouges dans tout Paris. J'prends virage à gauche, j'prends virage à droite, mais j'ramène le produit. Le produit, il gauche complètement. Voilà, je le faisais essayer, effectivement, j'ai peut-être un peu trop serré l'embrayage, ce qui fait que parfois. Pour tester les véhicules, monsieur. Je suis d'accord, je suis vraiment désolé, là, on a voulu faire au plus vite, mais du coup, le blâme ira pour moi. C'est un rappel à l'ordre, mais faites attention, hein. Ouais. C'est quoi, c'est un rappel à l'ordre? C'est simplement que du coup ils sont compréhensifs, mais qu'il faut pas qu'on refasse la même connerie. Ah oui, surtout que bon, là je suis gentil parce que vous avez quand même tourné très très sec et très très grand. J'aime aussi. Bien quand je suis désolé, c'est la direction, c'est pour moi, le blâme il ira pour moi, désolé. Pas de soucis, faites juste attention. Merci. Elle est belle la voiture que vous faites un rappel à la loi. Je sais. C'est vrai. En plus avec votre pistolet à eau. Alors vous allez vous calmer s'il vous plaît, monsieur. Vous êtes pas des chacals. Non, je suis pas un chacal, vous aussi, votre pistolet est sympathique. Alors, moi je suis un charreau, moi. D'accord, oh mais nous on est la police, hein, on charreau personne ici. Bah ouais, ils sont là pour protéger et servir. Exactement. Et nous enculer cette parfois. Cette dame peut me servir. Parce que si j'avais voulu comme vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous aider, monsieur? Monsieur, vous êtes pas de la police, vous? Moi, non, pourquoi? Bah, je suis pas votre casquette, etc. Non, je suis un surfeur. Ah ouais? J'ai pas une dégaine de surfeur? Si, brise de nice un peu. Ouais. Vous faites chauffer un peu comme ça. Trois, si j'étais un flic, vous auriez un truc à vous reprocher? Bah pas du tout. Vous êtes sûr? Ouais, voilà que votre tête a fait rire. Voilà. Je peux vous aider, monsieur? Attendez, parce que je souris pas là. Bonjour, bah, lui il est en sang, à part ça, attends. Hop. Là. Okay, attends, fume en fait, vous avez une tête de zgeg un peu. Allez hop. C'est donc avec ça qui. C'est donc avec ça qui me sème tout le temps. Tu vois combien elle monte? Ah oui, mais elle va vite, wesh. Oh, elle va vite, mon frère, wesh. Elle est trop maniable. Mais elle est trop maniable. Elle tourne trop bien et tout, frère. Mais attends, mais je comprends. Mais elle est trop bien, sa voiture. Non, c'est abusé. C'est abusé, frère. Je veux une voiture comme ça, de aller speedy, moi. Regarde, elle tient bien la route, ma frère. Merde. Pardon. Allez, on va bosser. Attention. Hein. Un peu de respect là, la vie. Comment il m'entend alors que je chuchote dans ton oreille à travers tes cheveux? Et quand je m'en bats les couilles, j'en sais rien, frère. J'en sais rien. Autant te dire, j'en sais rien. Quand on se fait un X-ray? Ouais, c'est parti. Vas-y, chaud. Hein. Ah, dis-moi, sous l'axe. Ouais. Ouais, chaud. Ah ouais, chaud. Par contre, on trouve des femmes. Ouais. Attends, j'allais dire, tiens bien le Mezoud. C'est quoi? Ah, c'est de la musique traditionnelle. Franchement, on pas trop, on s'écoute ça en ce moment. C'est ça, traditionnel de où? Ah, de Tunisie. Ah ouais, super. Ouais, c'est bonne ambiance, hein, crois-moi. Hâte d'écouter. Ah, franchement. Tu vas kiffer de ouf. Wow. Tu vas vouloir faire des patrouilles tout le temps avec nous. On prend ma voiture? Prends ce que tu veux, frère. Ouais, vas-y. Moi, je suis Didier, je suis en copassager. T'arrives bien à conduire et pas conduire de toute façon. L'opération qu'on a par soirée, je peux vous dire que il est à 50 000. Là, vous comptez, on est déjà presque à 100 000 dollars juste pour des contrats. Mmh. En même pas une soirée. On est intéressé au profit. Là. Ce qui veut quand même 100 000 par semaine, du coup. Ce qui veut quand même, voilà, en fonction des salaires. Ce qui veut quand même dire que moi, 400 000 dollars par semaine, voire par deux semaines, étant donné que là, cette semaine, j'ai pas du tout eu d'argent ou d'entrée du gouverneur, je peux vous assurer que moi, c'est très 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 difficile de payer mes agents, au point où même 10 000 dollars, je ne peux pas lui donner. Pourtant, ça pourrait paraître rien, mais c'est très compliqué de payer mes agents actuellement. Là, ce soir, c'est la cérémonie, je sais pas si vous pouvez m'arranger quelque chose pour au moins avoir des fonds disponibles pour ce soir, parce que c'est la remise des primes, la remise des salaires, promotion, certains vont certainement être dégagés de la LSPD, vous comprenez là-dessus. Oui, très bien. Je fais mon possible. Attendez, laissez-moi contacter le gouverneur. Yes!
mais vous me dites que des concessionnaires. S'il approche, je m'en occupe. Complet. Vite. Soulax, va t'occuper du chat. Dirige-moi ce chat. Non, 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 mais non, mais non, Soulax, fais pas quoi ça. Quoi tu... bah, veux... prends, sors. Prends le chat, emmène-le dehors. Hache. Je vais l'attraper par la queue, hein, c'est compliqué comme ça. Allez, là. C'est bon, je l'ai. T'es dessus, Kawa. Shinji, tu t'es dit quoi? Pourquoi tout le temps tu fais des bêtises? Attends, mais t'as un chat? Ouais, c'est Shinji. Il est trop mignon, wesh. Oh putain, regarde, c'est pas les Icéris. Je pense que c'est le choc électrique qui a fait ça. Essaye sur mes cheveux. Attends, vas-y, j'essaye sur tes cheveux. Attends, vas-y, lève-toi. Ah, j'essaye sur tes cheveux. Ok, j'essaye sur tes cheveux, bouge pas. Ça traverse. Ouais, ouais, ça traverse, c'est tout, ça traverse. Ok. Bon, t'arrêtes de me retirer des chats. Bientôt. Ouais. À bientôt, je vous raccompagne. Au revoir. Merci bien. Au revoir, messieurs. Tu me raccompagnes ces messieurs à la sortie? Avec grand plaisir, messieurs. Après vous. Ouais, bah, on sait pas si où la sortie, si on va après. Y'a qu'une porte pour l'instant, jusqu'à là. Ah oui, d'accord. Allez-y. Au revoir, messieurs, passez une bonne journée. Merci, vous de même. Alors, c'est passé comment? Excellemment bien, et toi? C'est vrai? Oui. 10-18. Luce, je confirme, c'est dans la dent. Donc... Ah ouais? Bon, tant qu'on doit pas vous appeler XXXTentacion, ça va. C'est quoi la référence à lui? Bah, parce qu'il est. Bah, il est cané en fait, il est foutu. Enfin, ouais, mais lui, il a pas pris ça dans la tête. C'est pas Tentation. Ah pardon. Si, il est mort par balle, si. Oui, il est mort par balle, mais dans le corps. Bon. Cigare, lieutenant. Devant moi, sergent, là. Chut. Le cigare, lieutenant. Merde, pardon. Et bah, ça veut dire, maintenant, bah, capitaine, vous pouvez dire la moitié du N-word. Pardon. Merci. Elle était bien sortie, celle-là. Bon, elle était de bon goût. Alors, on est actuellement lundi, il est actuellement 21h53, j'ai 53 minutes de retard. Qui dit lundi dit. Hey, jour de pipi. Promotion. Sympa, c'était vrai. Vous êtes un diamant. Ouais, t'inquiète, sans les condés, c'est pas des conneries. C'est les risques de métier. Je crois qu'il a une commotion cérébrale là. C'est pas grave, c'est parti. Je le sens pas bien. Il a dit sans les condés. Elle va faire TB, je sens. Elle va faire Hala. J'aimerais bien taquiner du poulet, mais j'ai pas de bonne voiture. Elle va faire Hala. Tiens, combien de temps là, votre avis en vie? T'inquiète, je sais conduire. Ça va? Plutôt bien. Super. Ça va ou quoi, Abdel? Attends, je remets le canapé. Ça va et toi? Ça va, t'as une tête de. Bon, tasé, je vais te niquer ta blanc mère. Blanc Kazen, toi tu fermes ta gueule, je t'ai pas tasé. Ferme ta gueule, voilà, je te double. Ferme ta gueule, voilà, je te double. Toi, je t'ai pas tasé, alors je vais pas commencer à me casser la tête. Assieds-toi sur le canapé, regarde-moi ta tête en travaux, allez. Travaux, voilà ton visage, fils de pute, t'es tout blanc là. Mais toi aussi, t'es tout blanc, espèce de. Oh, t'as les cheveux violets, t'es blanc Kazen, t'es blanc Kazen, espèce de merde. Tu prends mes blagues en plus, espèce de con. Il a dit t'es en travaux. Voilà, t'es en travaux, cousin, vas-y. Voilà ta tête de numérien, assieds-toi, frère, voilà. Mais quel je m'assois, regarde ton cul, cousin, t'as pris deux places. Tu sens les brocolis, ouais. T'as pris deux places avec ton gros pétard, cousin. T'as pris deux places, tu m'as rébourqué pour Chaplet, fils de pute. Ah, il y a une partie 2, cousin, viens. Voilà, c'est de vite, je... Vous passez tous officiers officières, j'espère que vous ferez du bon taf. Et que on aura de bons échos au niveau de votre travail. Donc portez fièrement l'uniforme et portez fièrement le badge. Je vous laisse vous remettre devant, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez dire maintenant. Et sinon, vous replacez là-bas. Un discours, Ulrich. Allez, un petit mot, Ulrich. Un petit mot. Bonjour, bonsoir à tous. Ok. Bonjour. Bonsoir, Déjà, merci à tous pour votre accueil. Ça fait plaisir d'être accueilli comme ça. Surtout que moi, de base, je viens d'Australie. Je pensais pas me faire une place aussi rapidement ici. Et voilà, quoi, je suis ravi d'être avec vous.
Voilà, voilà. Ok, bravo. Merci bien. Merci Ulrich. Bravo Ulrich. Pour les officiers, vous placez devant. Ah bah du coup on se place devant. Non, derrière. Oh, quoi commence. Ouais, moi j'ai un truc à dire. Dis-moi, vas-y. Le cadet qui vient de parler là, je voudrais le féliciter pour sa bienveillance et son courage. C'est tout. Parce qu'il est beaucoup critiqué à ce que j'entends, mais il a fait du bon travail pour moi, je pense. C'est Ulrich ? Il est critiqué ? Ouais. Il pensait avoir fait du mauvais travail, mais moi je compte dire que pour moi il a fait du bon travail et qu'il a eu les couilles de faire ce que certains n'auraient pas pu faire. Je confirme. Ouais, je confirme. Ça c'est vrai. Merci avec Ulrich. Merci. Et moi je voulais dire quelque chose, je félicite Soulax pour son sérieux et... Aussi ouais. Jure quoi de son point de vue. Soulax. Oh là là. Pour une fois il était sérieux. Il était très calme et sérieux, c'est vrai. Waouh, je rougis. Ça a changé le LSPD sur ma vie, ouais. L'année dernière, j'avais la moitié des plaintes, c'était pour Soulax, ouais. Maintenant c'est ça. Il a peut-être changé, hein. Mais non, vraiment, il a bien géré. Il a révélé des capacités que... Ouais. Depuis quand t'as ça, toi, sale chien, va. Je l'ai acheté, les mecs. Comment t'as eu ça? Tu l'as acheté où? À qui? Vous voulez que je vous le dise? Bah ouais. Je vous explique. Soulax... Voilà, il recommence, il va me faire mal à la tête. Voilà, il va me raconter une histoire. Allez, vas-y, dis plus vite. Soulax. Mais c'est comme ça que je raconte mes histoires, merde. Mais bah accélère, fils de pute, t'engages, là. Soulax, il a réquisitionné sur un individu. Il l'a vendu au black. Il te l'a vendu combien? 60 000 ou 55, il me semble. 55 ou 60, un truc comme ça. C'est quand même peut-être une arme qui a tué des gens. Hein. Ah bah, je sais bien. C'est pour ça que... C'est pour ça que tu mets pas de gants, gros fils de pute. J'ai pas besoin de gants, je l'ai déjà désinfecté, messieurs. À la maison. Eh oui, je l'ai mis dans du kérosène. Par contre, ça sent le gasoil. Dans du kérosène? Ah bah oui, ça pue le gasoil. Que l'arme soit pas mouillée, parce que le jour où tu vas vouloir tirer. T'inquiète avec, pas, je l'ai filtré au contotige. Contotige. Au quoi? Au contotige. Attends, bouge pas, il y a un gars de noisette, il a fait un snap en plus. Écoute, attends, vas-y, continue. Écoute. Moi, il me reste du stock, moi, tu vois. Écoute. Vas-y, j'écoute. La con de ta mère, j'arrive pas. Imaginez, qu'il y a un qui vous contentige. Ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Au contentige. Au conto. C'est pas le conto. Hein? Lui, c'est un tueur, il clash tout le monde. Voilà, je rigole. Dis-toi, il y avait sa nièce côté passager. Il allait à 50, il a pilé, elle a pris le airbag devant. Alors qu'elle a 5 ans. Il est niqué l'arcade. Il est niqué, voilà, il est niqué. Bon, du coup, putain. Alors. Bon, bref. Ouais. Tu sais draguer des meufs, toi? Non, moi je sors mon œuvre en général. Ah. Je suis pas trop patient. D'accord. Et les meufs, c'est les problèmes. Ah ouais? Oh, si c'est pas ton pote qui te met dedans avec les histoires dans lesquelles tu baignes, ça sera bien une meuf qui t'y mettra. Ah ouais? Moi je peux te le garantir. Ouais, mais tu dis c'est les problèmes parce que t'as pas encore mis le zboob. Quand tu mets ton zboob dans sa teucha. J'ai deux gosses, hein. Hein? T'as deux gosses? Ah bah attends, ça c'est des problèmes! Ça c'est des problèmes! Ouais, je suis d'accord avec toi! Ah là, ça c'est des problèmes! Mais avoir une meuf, c'est l'expérience qui parle! Hein. J'ai déjà vu des amis perdre la vie et l'histoire partait d'une meuf quoi! Ah ouais! Ah tu sais, les gens quand ils sont armés ils savent plus faire la part des choses, quand tirer, quand faire peur! C'est vrai, c'est pas faux! Message! Monsieur Baby Girl. Aïe, ouais, de tarpé. Allez, un tarpé. Ouais, de tarpé. J'aimerais bien être à la place des deux pots d'échappement. Bon, allez, au revoir. Au revoir. Je monte derrière. Voilà. T'as entendu, elle a dit quoi? Allez, au revoir. Je mettrais bien mon sgeg. Hein. Non mais faut me comprendre aussi, je vous l'ai déjà dit. Là, avec le confinement, plus le ramadan... 11 mai, la fin du coup. Voilà, 11 mai, on sera en plein y en a ramadan. Ça va être compliqué, là. Bah on ouais. On sera en plein ramadan, donc c'est encore chou. Il y en a, ils vont sortir, ils vont fermer les yeux, ils vont taper dans tout ce qui bouge. Hein. Ouais, je le fais déjà. Yes, excellent, bonne nouvelle. Hein. Ouais, voilà, tu peux me présenter une meuf. Ce serait bien, mon pote. Ouais, je veux bien. Plaisir.
Purée. Patron, et nous on trois pas trop. À la chicha sous ballon, tu te pars pour ta gamine.